Qu'est-ce qu'il y a? Il a arrêté de respirer. Le sable. Je vous interdis de mourir. Vous avez encore plein de trucs à nous raconter. Merde. Tu peux arrêter. Il est mort. Merde! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une carte. Le plan d'Ob de Gould, je suppose. Ça doit être la porte dont il parlait. Et alors? Gould a donné sa vie pour ça, Lugo. Ça mérite peut-être plus qu'un « et alors ». On est beaucoup trop exposé, Walker. C'est vrai, on bouge de là. Bonjour à tous et à toutes. Quoi ? Ici c'est Barcilou. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Black Ops. Qu'est-ce que je raconte moi ? Black Ops. Spec Ops, The Line. Donc, vous ne m'avez pas entendu dans la précédente vidéo, c'est normal. Hein. Quoi ? J'étais tellement absorbé par le gameplay que je voulais absolument passer ce passage que je me suis concentré sur ce que j'avais à faire. Bah, donc, c'est passé. Hein. Donc nous sommes trois, toujours trois, et nous allons suivre le plan de Gould, malheureusement qui est mort là-bas. Donc allons-y les gars, on y va, hein. On perd pas de temps. Je recharge. Ok, on a rechargé. Donc je vais faire un peu le tour... des munitions qui se trouvent par terre. Donc je crois que j'avais vu ok, donc on va conserver notre mitrailleuse hein. Allez, on y va. Donc on a notre objectif symbolisé par un losange à 45 mètres, un peu comme BioShock. Suivez toujours les gars, vous êtes un peu à la traîne là. On est une équipe, bordel de merde. Allez. Ouh, des faucons. C'est quoi ça? Je crois que c'était une cache d'armes. Oh merde. Tu croyais qu'il allait leur arriver quoi au juste? Ça suffit. Allons-y. C'est un vrai merdier. De quoi est-ce que tu parles? Des gens sont morts ici. Pas que des soldats ou des civils, mais Gould aussi. Et ce mec était notre meilleure chance de nous tirer de ce trou à... Du calme, Lugo. On n'aurait rien pu faire de plus. Me dites pas de me calmer. On n'a pas la moindre idée de ce qu'on fout. Ouais, t'as raison. Tout miser sur Gould, c'est vraiment débile. Putain, ras le cul de cette merde. Je t'emmerde. Au moins, moi, je fais mon boulot. Toi, tu restes là, les bras ballants. À attendre que les choses s'arrangent. Tu crois que ça me plaît de voir des gens crever, hein? Tu crois que ça me suivra pas toute ma vie, cette merde? Arrêtez! Hein? Tous les deux! Arrêtez ça! Mais c'est quoi votre problème, putain? On est au beau milieu d'une zone de guerre, et vous vous bagarrez dans le sable comme deux sales gosses! Vous êtes des agents Delta! Arrêtez vos conneries! Très bien, allez! C'est réglé? Ouais. Lugo! Oui, chef. Bien.
Maintenant, on avance. Vous avez assisté en direct à une scène de ménage entre mes deux collaborateurs, coéquipiers plutôt. C'est un peu normal. Je serais sur les nerfs hein, comme eux hein, si je me trouvais dans la même situation. Allez, Melvini Dubaï. Donc voilà, on est en plein centre-ville. Alors on est où? D'après la carte de Gould, la porte est droit devant. Aux hommes du 33e, j'ai le regret de vous dire que cette guerre inutile a une fois encore pris la vie de nos frères. Mais haut les cœurs! Car leur sacrifice a permis d'envoyer l'ignoble agent Gould droit en enfer. Alors ne perdez pas espoir. L'agent Riggs, la Delta Force, ce sont les prochains. Ah, il ne manque pas d'humour. Ça doit être notre porte. Adams, occupe-toi du garde. Je m'en occupe. Alors, Lugo, à quoi on a affaire? Une armée. Plus ou moins. Eh merde. Comment on va passer? Ça peut aider. Bien, prépare ça. Bordel, mais c'est une blague. C'est du phosphore blanc. Je sais ce que c'est. Vous savez ce que ça fait, cette merde? On peut pas s'en servir. On a pas vraiment le choix, Lugo. On a toujours le choix. Non. Pas dans ce cas. Tu vises, Walker. On tire. Ah, d'accord, c'est à moi du phosphore blanc. Ah oui, oulala. Ok, prépare-toi à tirer. C'est un ordre? Ouais, en effet. Ok, j'envoie la caméra. Là-haut! Sur le balcon! On a des intrus! Caméra activée. Ok, ciblage opérationnel, prêt? C'est quand tu veux. Lance-roquette! Ramenez! Arrêt à tirer! Lance-roquette neutralisée! Entramez ces strikers! Personne ne bouge. C'est fini. Il a raison, Walker. D'accord. C'est fini.
On devrait descendre. Faudrait qu'on soit à la porte avant l'arrivée des renforts. Oh, j'imagine pas les dégâts que ça a pu faire. Hein. Le phosphore blanc. C'est encore pire que le napalm. Je connaissais pas ça, cette arme de guerre. Ferme-la. Vous avez dit quoi ? Il veut dire que la fumée est toxique. Ferme la bouche. Ben voyons. Merde. Bon, on avance. Faut faire vite là. C'est quoi ça ? Venez, il est déjà mort. C'est vous qui l'avez voulu. On voulait aider. Quoi ? Oh non. Ce sont... les civils ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Il n'y a pas de campement. Ils les ont pris dans leur nid. Cet hôtel dans le mur de sable ? Non, 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 non ! Ça peut pas être les civils kidnappés ! C'est pas possible ! Aïe, 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 aïe... Si ça l'est ! C'est pour ça que Gould a attaqué ! Il visait pas la porte ! Il essayait de secourir ces gens ! C'est quoi de faute, bordel de merde ! Faut qu'on continue. Hein ? Les renforts seront là d'une seconde à l'autre. On doit avancer. Mais Walker, tu vas pas... Ces fumiers vont payer pour le mal qu'ils ont fait. Alors vous êtes avec moi ou pas ? Ça a fait de sacrés dégâts, ça, le phosphore.
voilà. Meurtrier. Les voilà. À couvert. Ripostez et avancez. Ils ont l'avantage. Je m'en fous. On va prendre cette porte. Je pense qu'on va ici. Bordel. Il est explosé, butez-le. Il doit pouvoir se battre. Je vais leur pistolet. Les voilà. À couvert. Ripostez et avancez. Ils ont l'avantage. Je m'en fous. On va prendre cette porte. Cible en mouvement. Cible abattue. Ah, bordel de merde. Je dois recharger. Faut pas bouger. Là, ça canarde de partout, là. Je sais plus où donner de la tête. Encore plus de munitions. Surveillez l'ennemi! Il se met à découvert! À gauche, près du striker! Grenade flash! Ah, le fils de pute! Putain, je suis coincé!
nombre de touches. Je voulais appuyer sur R. Là, il n'y a aucune chance qu'il se relève. Là, je l'ai bien nu. Putain de merde! Je me fais arroser! Il est mort! Ah, le fils de pute! Il a explosé!
Putain, mais fais gaffe! J'en ai eu un autre! Merde, putain, à droite! Derrière le comptoir, abattez-le! C'est bon, il est mort! Ennemi en mouvement, flinguez-le! Descendez-le! Je vais le descendre! Grenade! Je recharge! J'en ai eu un autre! C'est bon, il est mort! Mec, je peux pas vous aider, j'ai encore, je suis encore en panne de munitions. Qui nous en dira plus sur la situation. Des cartes, du matos, des munitions. Un avant-poste standard, je dirais. Non, il y en a sûrement d'autres à l'étage. Vérifiez vos chargeurs. On sait pas ce qui nous attend. Ce sera pas pire que ce qu'on a fait dehors. Hé, hey, fais gaffe, Lugo. Non, il a raison. Ce qui est arrivé là-bas, c'était vraiment mal. Mais on y a été contraint, et je sais par qui. Préparez-vous. Ok, bah je vais vous laisser là. Donc le point de contrôle est atteint. Donc les fusillades sont de plus en plus rapprochées et intenses. Et je dois avouer que j'ai de plus en plus de mal à faire face. Donc les munitions sont en nombre limité. J'essaye de bien gérer mes munitions, mais c'est pas évident. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Du phosphore. Et salut. Franchement, je vais plus jamais revoir cette merde de toute ma vie.